IRL7, on est de retour avec ce qui aurait dû être le main event. Malheureusement, l'un des adversaires n'est pas venu le jour même. Ça devait être Ashkan contre Timar, mais il y a Ashkan qui va faire son shit quand même tout seul. Let's go! Contre Wolf, t'as dit. Déjà, après le Roar 8, il se plaignait de son articulation. Moi, j'étais là comme, ok Marty, juste, il n'y a pas que contre Madou que c'est problématique. Mais au début, je trouvais ça cool que t'assumes, que t'aimes pas ta manière de spit et que tu le dises ouvertement. Mais frérot, toi, t'abuses. Tu pleurais plus que Futur quand il goûtait le poulet de Sevran. Tu t'es fait connaître avec un round où tu rappes mal en anglais. Déjà, n'importe qui l'aurait fait au RC, t'aurais dit que c'est putain de wack. Puis peut-être... Wack. Puis peut-être que le round aurait eu plus d'impact si on te comprenait quand tu parles en français. Oh là là! Let's go! Je viens avec style, punch et blague condensée. Oui, mais moi j'ai des meilleurs schémas. Mais moi j'ai pas d'handicap à compenser. Parce que c'est vrai, par rapport à d'habitude, la cible rétrécit. Mais pour le buter, suffit d'une balle. Parce que le gros est technique et que le tir est précis. J'ai dit suffit d'une balle pour qu'il finisse avec un drap sur la tête comme Melo à IRL6. Puis la vérité, quand tu rappes, moi je comprends les mots, mais tout ce que j'entends, c'est que tu compenses quelque chose. Parce que t'arrives sur scène comme et tu tourbillonnes, t'es genre le diable de Tasmanie. Puis tu rentres chez toi et t'es juste le schlag de ta famille. C'est que t'as copié des top MC pour trouver ta place dans le cercle, mais c'est pas parce que tu gigotes et qu'on te comprend pas que t'es le VK français. Moi j'arrive, vil et mesquin, puis j'ai une question. Pourquoi t'essayais d'embrasser Wolf à IRL5, putain? C'est bizarre. Tu voulais une attitude genre le bap tout est sombre, mais faire des... Bah c'est pas un coup de pression. Sérieux. Putain, je suis trop fort, ça réagit trop. Sérieux, faut que tu changes d'approche. T'as jamais pensé à rapper paisiblement? Parce que tu me fais pas peur, hein. Même quand tu lâches des signes de gang, vu que je connais beaucoup trop de lesbiennes qui te ressemblent. C'est vrai. Même coupe, même forme, je blague pas avec toi. Avoue que tu serais chauffeuse poids lourd si t'avais la taille adéquate. Donc arrête de faire le mec vénère, gars, c'est pathétique. Puis si tu le fais contre moi, bah c'est pas crédible. C'est des facts. Bon, là... Mais dans ses rêves, il a la street cred de SL Crack. Il va avoir sa meuf comme... On peut faire genre que je suis dangereux et que je bégaye pas. Mais ce soir, si tu veux faire le Cador, c'est mort. Déjà parce que t'es pas là. Mais si tu veux faire le Cador, c'est mort. Parce que là, le dossier sort. Jure qu'on t'a pas vu te faire draguer par une fille de 8 ans qui t'a offert des cartes Pokémon. C'est vrai. Et ça sert à rien de me flipper qu'elle s'appelle Justine et qu'elle a 7 ans sale wack. Pénalement, t'es dans le sale drame. Maintenant, je comprends mieux pourquoi tu défends ma race. Puis comment tu veux jouer le mec vénère et prétendre m'abattre quand une gamine à ma compte confond avec les gens de sa classe? Vrai. Time. Voilà. What? Il n'y avait pas de doute, même s'il était là. Ok. Deuxième. Je t'ai vu traiter ta mère de pute, c'était effarant. Non mais du jamais vu, un blanc qui insulte ses parents. Tu vas peut-être me dire que c'était de la mise en scène, mais si ta mère fait la pute, c'est pour te financer. Nous, on a vu nos parents se faire traîner dans la boue. Fait qu'à la maison, l'ambiance est taciturne. Toi, t'es né avec une cuillère en argent dans la bouche que t'as jamais retirée vu comment t'articules. Hey, ils arrivent à me bouger, comment je suis gros, ça réagit bien. Je suis de gauche,
Parce que je sais ce que c'est quand il y en a becqué dans l'assiette. Toi, tu dis que t'es de gauche, mais tu sors le N-word dès qu'il y a Béné dans la pièce. Fact. Fait que tes mensonges, il était temps que ça cesse. Sérieux, ta posture me dégoûte. Tu joues le mec qui a connu l'adversité alors que tes parents te payent tout. Puis t'as osé te moquer de Wolf parce qu'il peut sous-perf après le décès de sa tante ou parce qu'il a subi son déménagement. En fait, il peut pas s'investir dans le battle rap parce qu'il est pauvre. Ha ha ha, c'est vrai que c'est marrant. Mais facile de se moquer quand ta source de revenus à toi, c'est tes parents. Donc maintenant, frérot, faut que t'admettes que t'es pas un passionné mais un enfant gâté avec rien d'autre à faire. Et que t'es prêt à tout pour le succès. Mais comme t'as rien à dire dans le fond, bah tu mens sur scène. Et sur ta taille dans les applis de rencontre. Let's go. Il est tout petit. Et là, faut que j'ouvre une parenthèse. Tu sais ce qui rendrait tes parents fiers? Que tu sois un homme à part entière. Et je dis pas ça rapport à ton apparence faible. Mais c'est triste, mec. Réfléchis, on lève nos verres à ta mort, pas à ta santé. Et là, ce que t'as ressenti, c'est que le H passe en tête, donc tu repars là face en biais. Puis t'aimes trop dire que dans le 4, y'a que toi qui fais le taf. Mais hier, L2, j'assume seul les factures, sinon la Ligue survivait pas. C'est vrai. Fait que pendant que tu te plaignais de venir rapper gratos, moi je taffais, je faisais du stand-up et je payais le matos. Puis j'ai fondé la sauce. Avec Neya et Wolf, quand on a créé la ligue, toi tu te préoccupais que tes excès de salive. Fait que quand je dis que je m'investis, je le fais concrètement. Donc t'es gentil garçon, mais me parle pas d'implication quand toi t'as juste vu le train en marche et que t'es monté dedans. Oh là là. Fait que peut-être que c'est toi dont on se rappellera dans ce match, mais l'histoire d'IRL, elle s'écrit avec un grand H. Normalement, le round s'arrête ici, mais avant, je veux faire quelque chose, prouver que je suis un vrai mec de gauche, en redonnant la parole à cette victime. Je refuse que mes problèmes perso se répercutent sur la ligue. Ça, c'est ce que tu as dit. En vrai, je trouve cette vision grave saine. Dommage qu'un problème perso te fasse annuler le battle de l'édition d'après. Puis de l'édition d'après. Et tu dis à tous tes adversaires de se remettre en question. Et c'est important, je te l'accorde. Mais moi, j'ai pas bien compris l'expression. Fait que je vais te balayer devant ma porte. Puis apparemment, tu comptes pas tes heures de taf parce que le soir, tu ne fais que des verses. Sérieusement, faut que tu te casses d'ici. J'ai tout misé sur le programme. Et sale victime, si tu parles autant de tes efforts, c'est qu'ils sont pas visibles. À la limite, frérot, on a compris que tu bosses, mais ça justifie pas les leçons de vie que tu donnes, parce que y a jamais rien qui me les a autant brisées que les messages de Timar qui pleure en privé. J'ai tout donné, il remarque pas, vous pouvez pas comprendre ce que je vis. Oh là là, j'aimerais tellement te voir dans un taf en entreprise. Parce que normalement, se plaindre que la vie est rude, bah ça dure qu'un temps. Mais toi, tu taffes pas, t'as arrêté les études. Fait que t'as choisi de rater ta vie pour mieux vivre dans celle que tu t'inventes. La vie où si Wolf avait ta contrainte de propos, il rapperait pas aussi bien. Sérieux, cette mentale de wack me désespère. Genre, c'est ta contrainte de propos qui te fait bafouiller tes textes. Non. Alors fais de vrais efforts au lieu de passer tes rounds à justifier tes faiblesses. Oh là là. Attends, pardon. Puis je sais pas pourquoi tu fais... Je sais pas pourquoi tu fais le mec vénère. Non, pardon. Puis... Je sais pas pourquoi tu fais le mec supérieur, gars, je suis pas ton médecin, mais de façon c'est simple. Soit c'est pour essayer de te booster l'ego, soit c'est pour enfin recevoir de l'amour des autres. Fait qu'en essayant de montrer que t'es solide, t'as juste prouvé le contraire. Et si t'as autant besoin de reconnaissance, fais un test ADN et va retrouver ton père. Face à...
Face à ce que je dis, aucune parade possible, alors que ce que tu critiques s'adapte à toi aussi. Puis la vérité, comment t'espères nous faire comprendre la vie alors qu'on a besoin des sous-titres pour comprendre tes textes? Oh là là, c'est vrai, c'est vrai. Il essaie de compenser le fait qu'il a pas de fond en ajoutant 10 lignes qu'il hurle, mais crier pour faire croire que c'est chaud. C'est la technique des mélos ou des filles qui simulent. Genre... Shot fire! Je suis trop un goat pour que tu se prennes un shot. Bref, je m'en vais finir ce minus en lui montrant l'exemple, en lui montrant comment on assume les moments gênants. À la base, on devait s'affronter à IRL 4, puis t'as annulé pour le Raw 8 vu que tu pensais que Madou pouvait te la mettre. Moi, j'ai fait les deux, c'est pour ça que j'ai de choc. Enfin, c'est l'excuse que je me donnais en essayant de gommer ma perf. La vidéo sort, pendant un an, j'ose pas la mater, je suis dégoûté de l'admettre, mais aujourd'hui, je suis juste fier d'avoir échoué en faisant quelque chose que t'osais pas faire. Vas-y, pour finir sur un peu de flex. Maintenant que je peux vivre avec l'argent des blagues, je reviens à un niveau où on m'attendait pas. Donc même si certaines de mes pères sont foirées, moi les textes dont je me souviens, bah ils payent mon loyer.